reportage de 10h sur la télévision du Burkina. Débuté le 1er février dernier à Ouagadougou, le Forum national de l'eau et de l'assainissement a refermé ses portes hier. 72 heures de réflexion autour de la gestion partagée et inclusive pour l'atteinte de l'objectif du développement durable, 12 recommandations ont été formulées. Les participants insistent entre autres sur la nécessité d'intégrer les infrastructures et les ouvrages de franchissement dans les plans de réalisation des ouvrages hydrauliques, mais aussi d'œuvrer pour une synergie dans la mise en œuvre de ces ouvrages. En vue de relever le défi comme il le faut lié à l'accessibilité de l'eau et à l'assainissement, un mémorandum sera remis au gouvernement. L'ANACAD, un produit qui offre des centaines d'emplois aux jeunes et aux femmes burkinabais. La campagne 2018 de commercialisation de la noix d'acajou a été lancée officiellement ce samedi à Gawa, une cérémonie organisée par le comité interprofessionnel de l'ANACAD du Burkina Faso et qui a permis aux acteurs de relever les difficultés auxquelles ils sont confrontés, au rang desquelles l'inorganisation du marché de l'ANACAD et le faible rendement des plantations. D'où le thème de cette campagne, quelle réforme pour un marché mieux organisé, dynamique et compétitif en faveur de tous les acteurs et de l'économie du Burkina. À Bouodjilasso, des représentants de centrales syndicales et des syndicats autonomes du Burkina étaient hier face à leurs militants. Un tête-à-tête qui vise à éclairer la base sur la mise en place du Haut Conseil de dialogue social. Ces syndicalistes ont tous été nommés en conseil de ministres le 4 janvier dernier en vue de siéger au Haut Conseil du dialogue social. Et à cette rencontre avec les syndicalistes du Houé, ils vont tenter de convaincre les uns et les autres sur la nécessité d'une telle instance dans l'apaisement du climat social au Burkina. Hors de chez nous, un avion russe du nom de Sukhoi Su-25 a été abattu en Syrie hier dans la province syrienne d'Alep. C'est un missile anti-aérien qui a atteint l'appareil. Le pilote a été exécuté au sol par un groupe armé après s'être éjecté en parachute. L'opération s'est déroulée au-dessus d'une zone sous contrôle des combattants du front al-Nusra, a déclaré le ministre russe de la Défense. Et d'après le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dizaines de frappes aériennes russes ont eu lieu dans la même province ces dernières 24 heures. Voilà qui met fin à ce flash des 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Marguerite Douaniot vous donne rendez-vous à 13h pour d'autres informations.